Bon, on vient d'arriver chez Ikea pour faire quoi? À la base pour accompagner belle maman et au final pour je vais changer les coussins du salon que j'aime pas du tout et les rideaux. Donc là on va faire un tour à Ikea, ensuite on fera un tour à Centre Accord sûrement si on trouve des bons coussins pour trouver des rideaux. Et voilà, je vous embarque avec nous. Few moments later. On est sorti de Centre Accord. On a trouvé des rideaux. Enfin, ouais. Des doubles rideaux, très exactement. J'ai du taf, quoi. Ouais, grave. Je sais pas s'ils sont là. Ah, je vais vous montrer ça une fois que tout sera fait. Donc, on a trouvé nos coussins, nos doubles rideaux. Faudra peut-être que je change de. Faudra peut-être qu'on change de housse de coussin parce qu'on a pris des plus grands coussins. Donc, je pense pas que ça va rentrer dedans. Mais bon, c'est pas grave. On changera, on commandera. Encore. Et on est passé au Asia Market. Donc je disais, on est passé au Asia Market. J'ai trouvé forcément ma drogue, ça les filles là. Oh, des perles de tapioca. C'est éclaté. C'est trop bon. C'est moi éclaté. Je kiffe de ouf avec du lait chaud. J'ai pas acheté le sucre roux. On en a, cassonade. Non, c'est du sucre roux bizarre, c'est un liquide. Ah bon? Ouais, c'est celui qu'ils mettent au tofu là. Ah bah il y en avait juste à côté je crois. Jure-le. Je crois que je vais y retourner. Tu retournes vite fait toi? Non, on y va ensemble. On va y retourner. J'ai moyenné, il y va tout seul. Trop l'air. Du coup, bah, monsieur a acheté des yum-yum, hein, qui ne connaît pas. Je vais pas vous présenter ça. Et pour celle que la dernière fois, on parlait en. Il m'a enfermé dans la voiture. Et on parlait pendant live. On parlait du jus de bissap. Pour mes africaines, sud-africaines. On parlait du jus de bissap la dernière fois. Je vous demandais où je pouvais en trouver à Strasbourg. Et bien, au final, j'ai même pas eu besoin. J'en ai trouvé là. Au Asia Market, ils en vendent. On va goûter, on va vous faire une dégustation de ce jus. Il paraît que c'est une tuerie, ça m'a donné toujours trop envie. Et ben, je vais goûter, on verra ce que ça donne. Et là, il veut ma mort. Parce que je l'ai envoyé pour rien. Ils ont pas de sirop de sucre brun. Ils ont seulement du sucre brun. Mais non, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux du sirop de sucre brun. Regardez-moi le haineux. Bref, bah écoutez, on va goûter le bissap, du coup. Attendez, on va se mettre en position de dégustation. Attendez, je vous bloque et je vous reprends. Bon, jus de bissap, on va goûter ce que ça donne, déjà. Du sang. Oh, ça sent pas mauvais. Ça sent bon. Ah ouais. Tu veux goûter? Ça a l'air sucré de ouf. Ouais, ça a l'air sucré et il paraît que c'est très 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 sucré. Trop bon. Salement sucré. C'est bon? Ouais, trop bon. Je sais pas qu'il mentait. Les épileptiques en sueur. Non, pas les épileptiques. C'est très sucré, mais genre c'est trop sucré. C'est trop sucré, ouais. On n'aurait pas acheté. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà bu. On dirait du sirop pur. Mais c'est trop sucré. Là, il y a écrit au sucré. Bon, on m'avait dit que c'était sucré, mais dites-moi si c'est normal que c'est aussi sucré, parce que c'est hard là, c'est pas hard, mais c'est trop sucré, genre un concentré de sucre là. Ouais. Ouais, bon, du coup, bof. Non, c'est bon. Bon, on rentre, je vous reprends à la maison une fois qu'on aura tout mis en place. A few moments later. Du coup, j'avais ceux-là, et je les avais juste fourrés avec ça, des petits coussins qui servent à rien. Et là, on a acheté ceux d'IKEA, là, qui sont trop, trop, trop bien en plume. Les filles, ils sont tout gonflés, vous voyez, ils gardent bien les formes que vous voulez. Donc. Trop, trop, trop bien. Du coup, la housse est un petit peu petite, mais ça fonctionne. On a testé sur celui-là. Et vous voyez, c'est bien bombé. Nickel. C'est celui que je voulais. Trop bien. Donc, on a acheté ceux-là. Et on a acheté... Les tout grands. Ceux-là, ils sont plus grands par contre. Donc, je vais en mettre un derrière et deux grilles, deux petits grilles devant, vous voyez, comme ça. Un de chaque côté, un gauche, un droite. Et ce que j'ai kiffé, en fait, c'est que, vous voyez, les traits là, c'est les mêmes traits que mon meuble télé, que sur les portes de mon meuble télé. C'est les mêmes rainures, exactement les mêmes que ça. Du coup, j'ai trop, trop kiffé. Ah, par contre, c'est un attrape-poussière de malade. Regardez. Il récolte toutes les bouloches. Tant pis, c'est pas grave. Seeing eyes of mine, what do you feel beside?
Voilà, j'ai fait mes 4 coussins, les deux blancs c'est fait. Et niveau double rideau, j'ai acheté ceux-là en velours. Une trop belle matière. Ils sont bien, comment on appelle ça, occultants. Ils sont pas du tout voilage, pas transparent du tout. Pour remplacer les miens, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Bon, j'ai commencé par changer, donc comme je vous ai montré, les coussins qui sont là. Par contre, là du coup, ce nœud me dérange. Je le trouve beaucoup trop foncé. Je pense que je vais changer et le prendre la même couleur que ce coussin-là. Voilà ce que ça donne de chaque côté. Voilà. J'ai changé aussi la déco de ma table basse. Avant, j'avais un gros pot de bougie et une autre bougie que j'aimais pas trop. Du coup, j'ai changé, ça donne ça. Et là, du coup, je vais changer le rideau. Mais par contre, j'ai un doute. Je vais attendre que monsieur rentre. Et j'ai un doute. Je crois qu'il est beaucoup trop long. Il faudra sûrement faire un ourlet. Parce que sinon, ça va trop traîner. Déjà, celui-là, il touche le sol. Et je crois qu'il est encore plus long, l'autre. Donc, j'attends que monsieur vienne m'aider pour le mettre. À deux, ce sera beaucoup plus simple. Et si ça va pas, ben, je pense que je vais devoir le faire recoudre. Ou je vais le refaire moi-même. Je verrai, je sais pas. Et si ça va, ben, je vous montre. Voilà. Bon, je vous reprends une heure après. Finalement, on n'a toujours pas mis le rideau. Il est toujours là. Me fait partie 2 minutes et il vient de revenir. J'ai fait à manger. Du coup, on mange des pommes de terre sautées avec une sauce crème et des entrecôtes. Bon appétit, monsieur. Merci. The next day. Fly like you do sometimes. Seeing eyes of mine. One. Later. Hey, je vous reprends je ne sais combien de jours plus tard. Comme vous voyez, j'ai toujours pas fait mes rideaux parce qu'en fait ils sont beaucoup trop longs les nouveaux. Donc ma belle-mère va les faire couper. Mais bon, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Juste rien changé, donc les coussins qui sont là, la déco sur la table. Voilà, sinon j'ai rien changé de spécial. J'attends avec impatience ces nouveaux doubles rideaux. Et là aujourd'hui on va sortir. Donc je suis toute prête. Bonjour monsieur. Bonjour. Mince, attends. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on va en Allemagne. On va petit déjeuner. Enfin, prendre un petit déjeuner. Et se promener un petit peu, je pense. Il fait super beau. Je vous reprends dehors. En fait, très mauvaise idée d'être allé en Allemagne. On ne savait pas, c'est carnaval en Allemagne. C'est bouché. Toute la ligne principale, là où on voulait aller prendre le petit déjeuner, et bah, il est complètement bouché, c'est là qu'il passe. Donc on essaye de rentrer. Si on y arrive, il y a des sens interdits de partout, c'est horrible. Et on va peut-être. On va dire, c'est BCBG du coup. Ouais, je vais essayer d'appeler le deuxième, voir s'il a une place aujourd'hui pour aller prendre le petit déjeuner, même s'il est tard, il est bientôt 14h. Bon, je vous reprends si on a trouvé un petit déjeuner. Sinon, ce sera à la maison, je sens. Je me suis apprêtée et tout, pour rien. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Et si je viens d'appeler le BCBG et qu'il est complet? Je suis dégoûtée. Préparer, maquiller et tout, j'avais pas envie de sortir pour rentrer. Voilà, c'était bien que tu te rendes sûr. L'échec. Je crois qu'on va rentrer. Ah, c'est un vrai échec ça. Bon, bah en même temps, début des vacances scolaires, il fait super beau. Bah, j'avais pas beaucoup de chance de me dire qu'on allait encore pouvoir trouver des places à cette heure-ci sans réserver, sans rien. Oh, l'échec. Bon, bah l'échec. Je reprends peut-être si on trouve une autre solution, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va rentrer. Voilà. Bon, comment c'était? Ah, c'était bien. C'était trop bon. C'est là. C'est tout petit, ça paye pas de mine, mais je vous jure, c'est trop bon. C'est vrai, ça donne pas trop envie d'y aller quand je connais pas. Bon, moi je connais parce qu'on habitait. En face, avant, et là on a déménagé, donc ouais, je connaissais déjà. Toi, t'étais venu une fois avec moi, hein? Non. Ah, t'étais jamais venu? Ah, bon, bah, il était jamais venu. Et si, moi, je connaissais, j'étais déjà venu avec des copines et tout, et franchement, c'était pas mal. Ça a changé un petit peu depuis, et franchement, c'était très bon. Au moins, on a réussi à avoir notre petit déjeuner. Sinon, on serait rentré la défaite à la maison, sans manger, sans rien. On prend le soleil et on rentre. Vous savez, quand vous avez bien mangé, non, là, je. Comme ça, là, tu vois. Ouais, j'avoue qu'il fait. Trop beau. Trop beau. Ça fait tellement du bien. Grave. On verra ce qu'on va faire. Je verrai. Sinon, on rentre se promener ou sinon. On rentre ou on va se promener. On verra. Voilà. En tout cas, on a bien mangé. On rentre se promener sur le canapé.
Ou on rentre le premier sur le canapé. Ouais. Ça, c'est une très bonne idée. Re, pour la 10e fois, on vient de rentrer et comme vous voyez, je suis au lit. Flemme de ressortir, il fait beau, mais je suis fatiguée. Hier, on a reçu du monde, donc j'ai passé la soirée, la journée à cuisiner, faire le ménage, etc. Donc là, on rentre, on va regarder un film, on s'est mis sous la couette, on va regarder Netflix. Et le vlog n'aura pas été très très long, mais bon, désolée. Je vous reprends de toute façon normalement très 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 bientôt. Là, on est le 12 février, ouais, je vous reprends, je pense, dans la semaine pour quelques petits préparatifs. Hâte, c'est tout ce que j'ai à dire, hâte. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bye!